écoute, Mémérie, c'est parfait. Je te remercie. Les enfants, je vais être tout content de t'entendre. Je vais leur dire quelques mots d'irlandais, de gaélique aussi, peut-être. Ah oui, 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 oui. Donc, pour dire bienvenue, to say welcome in Irish, Céad Míle Fáilte. Céad Míle Fáilte. Ça veut dire 100 000 bienvenue, en fait. D'accord. Bienvenue 100 000 fois. D'accord. Et bienvenue, bonjour les enfants, comment tu le dirais? On dit Dios Mariv, ou Dia Yiv. Ça veut dire que le Dieu soit avec vous. Ah! Ouais, ça revient de notre patrimoine catholique. Donc, c'est vrai. On parle beaucoup de Dieu dans la langue gaélique. We speak a lot about God in the Irish language. Ah, d'accord. Ah, c'est intéressant, merci. And to say thank you, merci, c'est Gurav Mahagat. Oh. Gurav Mahagat. Ce sont des mots plus longs que les mots anglais. Oui, exactly. The words are a bit longer in Irish than in English or in French. Mm. And to say, quand on dit au revoir à quelqu'un, on dit des choses comme Gonairi an Bohr Lat. Que la rue soit facile pour vous. Ah. Que la rue descende plutôt que de monter. Ah, d'accord. On donne un conseil, enfin, on fait un vœu presque. Oui, c'est une sorte de vœu, quoi. Comme, oui. Ah, c'est joli. Eh bien, merci, Mary. Thank you very much. Et en gaélique, thank you very much, ça fait quoi? Pardon? En gaélique, ça sera quoi? Ça se dit comment? Gonairi an Bohr Liv. Gonairi an Bohr Liv. Oh. Merci beaucoup.